Bouti, 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 bouti. Ah, machin, tu m'as réveillé. Hey, Enzo, c'est chill le CSG. Quoi? On a déjà commencé, mais pourquoi tu m'as pas réveillé avant? Ah, bonjour les enfants. Alors ça va? Ah, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai une histoire pour vous. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire d'un crocodile. Un crocodile qui s'appelait Achille. Danes na story čaka pravljica o krokodilčku. O krokodilčku, ki mu je bilo ime Ahilček. Si tu dis oui. Alors, moi j'adore les crocodiles. Ja, ti obožuješ krokodile. In o čem govori pravljica? Mais attends, Macha, je commence. Voilà l'histoire d'un crocodile. Chaque matin, maman crocodile apporte à Achille de bonnes bananes pour son petit déjeuner. U svako jutro mama krokodilka prinese svojemu sinčku krokodilčku velik šop lepih banan za zajtrk. Achille, viens manger! Et chaque matin, elle s'émerveille. Mon fils, comme tu es grand, comme tu es beau, comme tu as de belles dents! In vsako jutro se začudi, kako lep, velik je njen krokodilček, pa s tako velikimi zobmi. Ah, c'est vrai, pense Achille. Tudi krokodilček misli tako. Mais un matin, Achille ne mange rien. Nekega dne pa Ahilček noče jesti. Maman crocodile s'inquiète. Elle insiste. Tu es sûre? Tu ne veux pas d'une bonne, d'une délicieuse banane? Maman crocodile ko skrbi. Zakaj Ahilček noče jesti okusnih banan? Non, merci maman, répond Achille. Aujourd'hui, j'aimerais mieux manger un enfant. Ahilček pa samo odvrne. Ne, ne, mami, danes bi raje pojedel otroka. Quelle idée, mon Achille, s'étonne maman. Dans les bananiers, ils poussent des bananes, pas des enfants. Oj, oj, kakšna ideja, Hilček. Na bananovcih rasejo banane, ne pa otroci. Oui, mais moi, j'aimerais mieux manger un enfant. Hilček pa ustraja. Raje bi pojedel otroka. Papa, crocodile s'en mêle. Pa se vmeša še očka krokodil. Il court jusqu'au village et rapporte à son fiston une saucisse grosse comme un camion. Teče vse do vasi in svojemu sinčku krokodilčku prinese velikansko klobaso. Oj, Maša, comme un camion. Ja, veliko kot tovornjak. Non, merci, papa, répond Achille. Aujourd'hui, j'aimerais mieux manger un enfant. Ne, ne, vseeno hvala, očka krokodil. Danes bi Ahilček raje pojedel otroka. Mais enfin, mon Achille, la saucisse à l'enfant, ça n'existe pas. Ahilček krokodilček, non, pa saj otroških klobas ni. Je m'en fiche, s'énerve Achille. Moi, j'aimerais mieux manger un enfant. Kaj me briga, kaj pa kaj. Razjarjeni krokodilček Ahilček bi raje pojedel otroka. Oui. Heureusement, papa et maman crocodile sont malins. Še dobro, da sta mami in očka krokodil prebrisana. Notre Achille est un gourmand, pense-t-il. Préparons-lui un bon gros gâteau au chocolat et il oubliera complètement cette idée stupide. Ahilček krokodilček je sladko snet. Pripravili mu bomo veliko čokoladno torto in pozabil bo lahko na to svojo trapasto idejo. Oj. Oj.
un gâteau au chocolat. Enzo, prav nič te ne razumem. Enzo, morda bi raje prej pojedel? Pustimo raje tale čokoladni piškot za kasneje, velja? Excuse-moi, Masha, mais c'était tellement bon, ce gâteau au chocolat. Kaj pa pravljica? D'accord, je continue. Est-ce que tu peux garder mon gâteau au chocolat? Ja, tvoj čokoladni piškot lahko shranim za pozneje. Pravljica. Oui. Le gâteau est magnifique. Wow. Ja, torta je čudovita. A tako je tudi v pravljici. Masha, laisse-moi continuer, d'accord? Ja, seveda, nadaljuj. Le gâteau est magnifique. Wow, s'exclame Achille. Torta je čudovita, reče Achilleček. Puis, Achille soupire et se ravise. Non, vraiment, dit-il, aujourd'hui j'aimerais mieux manger un enfant. Potem pa Achilleček zavzdihne in zajavka. Danes bi raje pojedel otroka. Un enfant, oui. Papa et maman crocodile sont totalement désespérés. Ils pleurent et se lamentent. Notre cher fils Achille ne veut plus se nourrir. Očka in mami krokodil sta obupana. Jočeta in stokata, kako Achilleček noče več jesti. Achille, il se sent bizarre, lui. Tout faible. C'est ce qui arrive quand on n'a rien mangé. Ah, tudi Achilleček se ne počuti dobro. Ves šibek je. Ja, kaj ko pa še ni nič pojedel. Un bon bain me fera du bien, pense-t-il. Et il descend à la rivière. Ah, dobro kopel potrebuje Achilleček krokodilček. Najbolje da gre... Kam? À la rivière. Ah, creaky. Sur la rive, il y a une imprudente petite fille. Na obrežju pa zagleda nepazljivo deklico. Ah, chouette. Je vais enfin pouvoir manger un enfant, se dit Achille. Ah, končno. Achilleček krokodilček bo pojedel otroka. Il se tapit dans l'herbe. Tout en dehors. Telle une bête féroce, prête à bondir. Priplazi se po travi do reke. Zobmi, ki mu štrlijo iz gobca. Prava strašna zver, ki je pripravljena na napad. Oh, regarde-moi ça, s'exclame la fillette. Un tout petit crocodile. Oh, Achille. Oh, glej, no glej, kakšen ljubek krokodilček, reče deklica. Oui. Comme il est mignon, il n'a pas dû manger beaucoup pour être si maigrichon. Et ja, tale krokodilček pa ni veliko jedel, tako suhcen je. Elle attrape par la queue, lui chatouille le ventre en disant gili 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 gili. Deklica zgrabi krokodilčka Achilleččka za rep, ga dvigne v zrak in ga požgečka po trebuščku. A takole? Buti, 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 buti. Aj, Masha. Je continue. Puis, quand elle en a assez, elle le jette dans la rivière. In ko ima žgečkanje dovolj, krokodilčka Achilleččka vrže v reko. Zut, raté, pense Achille. Tokrat se ni posrečilo, a? Achilleček krokodilček.
Et comme il a vraiment très très faim, maintenant il court chez lui en criant. Papa, maman, des bananes, vite! Il faut que je devienne grand! A zdaj je krokodilček Ahilček že pošteno lačen. Steče k mami in očku, krokodilu, zaželi si banan. Ahilček krokodilček je odločen. Jesti bo treba, zrasti bo treba. Oui, oui, oui. Pour manger un enfant. Zato, da bo lahko pojedel otroka. Oui, oh, je l'adore cette histoire. Oh, Macha, est-ce que tu as déjà vu un crocodile? Ne, Enzo, krokodila pa še nisem videla. No, mogoče enkrat v živalskem vrtu. Oh, moi j'adore les crocodiles. Mais bien sûr, il faut les laisser dans la nature. Tu le sais bien, Macha. Ja, res je. Živali pustimo v njihovem naravnem okolju. Mais tu sais, moi aussi j'adore fabriquer les crocodiles. Tu veux bien fabriquer un crocodile avec moi, Macha? Ja, krokodile pa lahko vedno izdelamo. Si za to, da skupaj izdelava enega? Oui, nous allons fabriquer un crocodile. Vous aussi, les enfants? Ja, prave krokodile in ostale divje zveri bomo kar pustili v naravi, a velja? D'accord. Mais Macha... Ja, kaj je, Enzo? Tu sais, moi, j'aimerais bien fabriquer un crocodile. Ah, krokodilčka bi rad izdelal, Enzo. Kaj praviš na papirnatega krokodilčka? Wow, une marionnette en papier. D'accord, un crocodile en papier. Pour fabriquer le crocodile, il nous faut... Maša? Ja, in za brez skrbi, pomagala ti bom. Za izdelovanje krokodilčka, morda krokodilčka Ahilčka, bomo potrebovali... Attends, du papier! Oui? Seveda, papir, potem pa še škarje. Donc, nous avons besoin aussi de... Škarje. Ah, des ciseaux. Et après? Lepilo. Attends, nous avons besoin de... Ah, de la colle. In tudi flomastre bomo potrebovali. Nous avons besoin de... Ah, et des feutres. Et après? Pas tout dit svinčnik. Oh, qu'est-ce que c'est? D'un crayon à papier. Nous avons besoin d'un crayon à papier. Ja, tout dit svinčnik. In potem se kar lotimo. Mais comment Macha, explique s'il te plaît. Ja. Izrežemo model za krokodilov trup. A si razumel? Non, est-ce que tu peux montrer le modèle? Ja, seveda. Wow. Attends. Oh, ça c'est la queue. Ja, to je rep. Ce sont les pattes. Ja, krokodilove tace. Le dos. Hrbet. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ja, to pa je krokodilova glava. Ah, d'accord, c'est la tête du crocodile. Voilà. Mais ce n'est pas tout, non? Ne, to še ni vse. Izrežemo tudi krokodilova usta. Oh, il faut couper aussi... Attends... Mon
montre moi s'il te plaît. Ah, c'est la bouche du crocodile. Ah, après il faudra coller la bouche et on va la plier. C'est bien ça, non, Masha? Ja, tako je. Usta bomo prilepili na krokodilovo glavo in jih potem prepognili, tako da se bodo na široko odpirala. D'accord. Et c'est tout? Ne, Enzo, ni še vse. Comment? Ja, saj veš, krokodili še potrebujejo... Hm? Non, je ne sais pas. Poglej. Oh, je sais, c'est la langue. Tako je, jezik za krokodila, pa še nekaj. Oh, encore, attends. Je réfléchis. Oh, je sais, le crocodile Achille avait aussi de grandes dents. Tako je, tudi zobe bomo izrezali. Mais, Masha? Ja? Les dents ne sont pas grandes, hein? Non, jaz sem izrezala takšne zobe, otroci pa lahko tudi večje. Ah oui. Je préfère les grandes dents. Velja, Enzo. In še nekaj bomo potrebovali, ja veš? Ah, encore? Mais, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Ja, potrebovali še bomo takšne le papirnate trakce. Des bandelettes en papier, pourquoi? Te trakce bomo potem zvili in trakce bodo služili za krokodilov trup. Ah, on va coller les bandelettes sur le dos du crocodile. Masha, est-ce que tu peux montrer? Ja, seveda lahko pokažem. Ah, d'accord. Comme ça... Oui, et il faut rouler et coller plusieurs bandelettes. Ja, več trakcev prilepimo. Kole. D'accord. Un, deux. Et bien sûr, jusqu'à la fin de la queue. Ja, vse do konca repa. Wow, très bien. Et Masha? Mais tu as oublié, avant de tout coller, il faut bien sûr colorier le crocodile, et n'est-ce pas? Ja, seveda, Enzo. Preden vse skupaj prilepimo in zlepimo, krokodila tudi pobarvamo, kot si želimo. Oh, très bien. Masha, moi j'aimerais bien colorier mon crocodile. Počakaj, Enzo, pripravila sem ti... Takšnega krokodila. Masha? Ja. Otrokom sem kazala krokodila. Mais non. Moi, je veux colorier mon crocodile. Bueno, počakaj, Enzo. Attends. Tu veux m'aider? Non, ils volaient. Oui, j'ai commencé. C'est très bien. Enzo. Ouais. Anissa n'est pas possible. Non. Enzo. Non. Bah oui, Masha. Qu'est-ce qu'il y a? Enzo. Na koncu se vedno še. Bah quoi? Poslovimo. Ah, bien sûr. Oh, excusez-moi les enfants. Donc, j'espère que vous avez bien compris comment fabriquer le crocodile en papier. Moi, je vais colorier le mien. Et j'espère que vous avez aimé l'histoire. Moi, j'adore les crocodiles. Et bien sûr, maintenant, je vous dis au revoir. Ja, hvala, Enzo. In še nekaj. Od otrok se bomo poslovili. In se vidimo... Ah, oui, attends. Alors, on se voit la semaine prochaine. Au revoir, les...
les enfants. Laisse-moi continuer, s'il te plaît.